Pebble. Vos impressions par rapport à ce merveilleux chef d'œuvre en une minute, s'il vous plaît. La seule chose que je peux dire, c'est vraiment très fantastique. J'apprécie beaucoup le style architectural, les techniques de construction, le matériau, tout vraiment. Je suis vraiment émerveillé par ce que je vois. Mais la seule chose qui m'écoeure en ce moment, c'est juste l'entretien. C'est pas vraiment un peu cool. Tel que je vois ça, bon, ça fait mal. J'aimerais bien qu'on pense à, on pense quand même comment entretenir ce chef-d'œuvre cela. Parce que le laisser ainsi, c'est vraiment le dégrader. C'est tuer vraiment le génie de la personne qui a pu s'asseoir pour bâtir un tel édifice. Ah, ok. Merci. Et bon, qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, à votre niveau, entreprendre pour qu'on puisse récupérer niveau. Pour qu'on puisse récupérer déjà, ce que nous on va essayer d'entreprendre, c'est déjà commencer déjà à faire des propositions de rénovation de ces sites-là. Et aussi essayer d'écrire pour que les autorités administratives puissent au moins prendre l'importance de la chose. Parce que c'est une chose, c'est un édifice qui peut déjà servir pour le tourisme. On ne sait pas profiter. Vu sa grandeur et tout le reste. Mm-hmm. Donc ça serait vraiment très bon. Okay. Et si on pouvait penser à faire par exemple un musée, est-ce que ça vous dit? Un musée, par exemple, non. Pour ça, je dirais pas un musée. Mais je préfère qu'on le rénove. Et que là, maintenant, on le rénove, on continue toujours à l'utiliser. Pour ce qu'il a été fait, c'est la maison de Dieu, donc on doit toujours continuer à venir ici et prier. Et faire toujours ce qu'on a, on sait faire chez nous, les festivités et tout. Ok, merci. Regardez souvent les pignons. Regardez très bien. Vous voyez, ici ce n'est qu'une entreposition hein, de plans, 1, 2, 3, 4. Ce que nous n'arrivons plus à faire aujourd'hui, les Allemands le faisaient longtemps avant. Observez bien qu'ils continuent de le faire. J'espère que même ici, vous avez bien regardé l'entrecroisement. Mais à l'intérieur, là, regardez bien ici. Regardez bien. Regardez. À l'intérieur, c'est le même. On change à l'intérieur. Donc, même une balle, tu tires une balle, elle ne passera jamais. Pourtant, si tu tires une balle, quelqu'un meurt à l'intérieur. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du parpaing, c'est vide.
mais à l'intérieur de ça, c'est pas vide. Donc cette maison est beaucoup plus sécurisée que ce que vous appelez maison moderne. C'est les meilleurs qui sont. Observez très bien. Et ça, les gars le faisaient il y a 100 ans. 100. Regardez, prenez les vues à l'arrière. Surtout de la torture. Mais sauf donc ici, c'est le bâtiment d'il y a 100 ans, pratiquement, 80 ans. La Japan métallique, la LM, la torture est refaite. Dès qu'ils sont là, c'est au moins 80 ans. Donc ça, non, rien à voir avec ça et ça. Ça veut dire que la toiture ici était comme ça avant. Américaine, c'est ce qu'on appelle dans la salle. C'est aussi un bâtiment. On a restauré la toiture. Tout ça, si on a dans l'intérieur, c'est le collège. On appelait les collèges unis de là. Vous voyez ces maisons-là. Vous voyez bien que c'est des maisons allemandes. On a juste changé les toitures. Tout ce que vous allez voir à l'intérieur, c'est les collèges unis de là. Regardez dans les villes en face. Papa, pourquoi est-ce qu'il y a Ebolovasi? Dans Ebolovasi 1 et 2, 6 veut dire quoi?